Moi, j'ai né là, j'ai grandi là. Et j'ai quitté le village quand j'ai 14 ans, parce qu'on n'a pas l'école. J'ai parti travailler un peu dans les villes, dans les grandes villes comme Casa, Marrakech. J'ai parti travailler chez une famille, j'ai fait le ménage à la maison. 6 mois, mais après j'ai dit, c'est pas mon truc. Et là, je rentre à Marrakech, j'ai fait restaurant. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, quand j'ai parti d'ici, j'ai parti pour faire une métier et c'est moi le patron. C'est ça mon idée. Et depuis, je fais encore un ouvrier avec les maçons. Et là, je trouve beaucoup de choses que je peux faire. Donc, j'ai fait un peu de tout, maçon, j'ai travaillé avec plombier, j'ai travaillé avec le menuisier, j'ai fait un peu de tout parce qu'il y a un grand chantier. Et là, je reviens à Marrakech, il y a une peintre d'immeubles. J'aimerais bien cette métier-là de faire la peinture d'immeubles. Là, je trouve qu'est-ce que je cherche. Et là, j'ai travaillé beaucoup dans ce métier-là, j'ai des clients. Donc, 10 ans, là, que je fais tous les métiers-là. Je reviens au village. Normalement, je reviens de temps en temps, mais je reviens pour marier. Donc, avec ma femme qui était juste la voisine. Quand je suis marié, j'ai ramené ma femme à Marrakech. Elle a resté avec moi 2 ans. Elle m'a dit, Rachid, moi, je veux revenir au village. Je ne veux pas rester là. Et voilà, 2011, là, j'ai décidé de créer l'association. Parce que le village, il faut faire quelque chose, je ne sais pas comment dire ça en français, arrêter les gens qui quittent pas le village. C'est le premier projet, faire une liste que les gens ont besoin pour qu'ils restent chez eux. Il ne faut pas qu'ils quittent le village. Il y a l'eau, il y a l'école, il y a la piste. S'il y a 3 choses-là, les gens vont rester. Les membres de l'association, on a décidé de parler avec les jeunes. Vous, si vous voulez améliorer votre vie, c'est vous qui va travailler. On va montrer à notre parent qu'on est capable de faire quelque chose. Voilà, on a commencé par l'eau potable. Mais une fois qu'on a fait l'eau potable, on a le problème. L'eau, il va où? Donc le village, il était installé sur le rocher. Tu ne vas pas creuser un puits. Donc là, on a dit, il faut l'assainissement. Donc là, on a fait les bassins de traitement des Uzi, qui c'est le premier projet de cette technique-là qui va faire au Maroc, c'est Atizi Nouchet. La même année, donc 2011, parce qu'on dit, on ne peut pas changer le village s'il n'y a pas l'éducation. On essayait de encourager les gens qui sont 6e pour y aller au collège. Et les parents ne sont pas d'accord. Nous, on a dit que l'association il va prendre toutes les charges. Il faut juste vous être d'accord que votre enfant continue les études. Là, ils sont d'accord. Et comme ça, on a commencé par 6 élèves, 2 filles et 4 garçons. Et cette année, on arrive à 50. On a le premier qui arrive à l'université. Donc, il n'y a que Atizi Nouchet et il n'y a personne qui arrête l'école maintenant, depuis 2011. Donc, depuis 2013, on a pensé aussi de faire quelque chose, les brevards pour les animaux, par exemple. Dans chaque entrée de village, on a fait une brevard. On a commencé, donc on a décidé de grandir la mosquée, parce que soit la fête de Moton, la fête de Ramadan, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. La mosquée est petite, on a grandi la mosquée. Donc, par exemple, on a un atelier où on fait les tapis. Avec la laine ou avec les tissus ou avec les chutes de cuir. Les tissus et les chutes de cuir, c'est un recyclage. Cette année, on a fait un stage de à peu près 30 femmes et filles qui apprennent comment on fait la couture. Donc on a des machines, on a fait un autre atelier où on va mettre les machines là. Donc on a créé une école maternelle et ça marche. Donc on a l'école maternelle, ça marche, l'internat donc pour l'éducation, maintenant ça va. On a fait un lavoir pour les femmes, le lavoir. Donc là où ils se lavent, il est à côté du chemin, tu sais, comme notre religion, quand tu vois les femmes, ils sont tous mouillés, tu vois la forme, c'est pas pratique chez nous. Donc c'est ça, on a dit, on fait une locale pour les femmes. La piste là où vous avez monté en 4x4, avant c'est au dos de mur. Ça fait 4 ans là qu'il existe la piste. Pour la piste, qu'on a fait à peu près 45 personnes par jour. Tu travailles 2 jours dans chaque mois.
Donc, c'est pas grand-chose de jour. Si tu travailles, par exemple, à Marrakech, si tu as un travail, tu peux pas le laisser, mais tu payes un ouvrier. Mais avec l'argent-là, on achète le ciment et le gasoil qu'on a besoin. Tous les projets qu'on a fait au village, donc c'est Twiza. Donc, l'association, elle cherche les matériels et les villageois, ils travaillent. C'est la main d'œuvre toujours gratuitement.